Cadmerade et Julia Vignali vivent une très jolie histoire d'amour depuis 6 ans. Pourtant, le comédien et l'animatrice ont toujours pris soin de protéger leur intimité, malgré leur métier qui les expose à la lumière. C'est en 2014, sur le plateau de C'est à vous, que Julia Vignali et Cadmerade se sont rencontrés pour la première fois. En pleine promotion de son nouveau film Superchondriaque, l'acteur de 56 ans s'installe à la table de Julia Vignali, qui est remplacée Anne-Sophie Lapix partie en congé. La première fois que je l'ai approché physiquement, c'est là. Je ne dirai pas après comment ça s'est passé. Et puis nous, on ne met pas forcément en avant cette histoire. On a une vie privée, des enfants. Et j'ai pas envie de tout raconter, avait confié l'acteur au micro de RTL quelques années plus tard. Ironie du sort, les chemins de Cad et Julia auraient pu se croiser bien plus tôt, comme l'animatrice l'avait expliqué à nos confrères de Télé 7 jours. Je suis passée totalement à côté, et à tous les niveaux. En 2000, j'ai passé un casting pour devenir speakerine sur la chaîne Comédie, c'était l'époque où Cad et Olivier Barou officiaient dans la grosse émission. Je n'ai pas été retenue. Ratage total, moralité, quand deux personnes doivent se rencontrer, elles finissent toujours par y arriver, avait-elle déclaré. Une famille recomposée, si leur rencontre leur a fait vivre une nouvelle jeunesse, Cad et Julia forment désormais une famille recomposée. Le comédien est papa de Khalil, né en 2004 et l'animatrice et maman de Luigi, né en 2008. Un clan et une histoire d'amour qu'ils tiennent à protéger, même si Cadmerade n'a pas pu s'empêcher de voler au secours de sa compagne en juin dernier, dans Tous en cuisine. Une séquence qui avait régalé les fans de l'émission.